Ah, oh, bon sang, c'est le printemps, on va pouvoir vadrouiller partout. Les châteaux ouvrent, sauf que <laughs> peut-être que vous n'aimez pas du tout visiter les châteaux. Eh bien, nous avons dégoté ici, à entre Loire et Loin, le monsieur, l'artiste, qui va vous faire aimer les châteaux différemment, les visiter différemment. C'est Richie Raza, ici présent. Bonjour. <laughs> Bonjour. Il est un peu timide, <laughs> le monsieur. En <laughs> fait, il innove complètement Richie Raza euh, avec alors plusieurs choses. Là, je suis en train de brandir un joli petit album de bande dessinée, puisqu'il est euh, dessinateur de. Est-ce qu'on dit bédiste Bédéiste Je pas trop le mot. Pas trop, ah non, hein, non, non. Hein dessinateur de BD. Ouais, dessinateur. Voilà, il est dessinateur de bande dessinée. On l'a déjà invité ici. Mais en fait, il a fait beaucoup mieux. Il a fait tout un parcours pédagogique on peut dire ça comme ça oui, oui, pédagogique. pédagogique de visite du château de sully une visite autrement raconte voilà. alors pédagogique et humoristique, et humoristique. Euh, donc l'idée c'est finalement euh, à travers de drôles d'histoires raconter euh, l'histoire la grande histoire donc celle du château euh, donc euh, je suis parti sur des anecdotes historiques euh, l'idée étant finalement que ce qu'on retient quand on visite un lieu euh, historique comme un château mais aussi ça peut être d'autres lieux euh, on retient des anecdotes voilà, et donc il y a beaucoup d'anecdotes croustillantes, et charge à moi ensuite de les mettre en scène et d'en faire finalement une BD qui donne envie de, 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 de pousser la porte du château et de, de découvrir ces anecdotes d'une manière différente. Quoi. Alors, on va... Rembobiné en arrière. En 2023, mmh. été 2023, Ritchie est invité par le département, ouais, je suppose, c'est ça, c est c est ça à croquer euh, sur des grandes fresques. Il est habitué à faire de, 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 de grandes fresques ici et là dans différents événements. Les artistes, musiciens, qui se produisait au festival de Sully. Voilà, c'est ça. Donc, euh, alors c'était Yannick Noah, c'était également euh, euh, David co euh, donc c'est un jazzman, et puis il euh, y avait également euh, Maria Ramos. Et, euh, et donc, l'idée c'était de les croquer, donc euh, faire leur, non, leur... Les manger, hein. <laughs> leur caricature, mmh. et puis de mettre tout ça dans un contexte. C'était vraiment pour fêter les 50 ans en fait, du, du festival de, de musique hein, de, de Sully-sur-Loire. Et c'est là que tu découvres et, le château. Voilà, Et là, j'avais découvert le château avant, mais c'est là en tout cas que j'ai le contact pour pouvoir proposer ce projet qui me tenait à cœur, donc de, 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 de faire entrer la, la BD vraiment dans, dans le château. Ah, ça veut dire voilà. que ça existait avant. Le château de Sully. Cette idée de. Ça ah faisait oui, oui, longtemps à... que ça traînait. Ah, bah c est, c est, ah oui, c'est une idée qui traîne parce que je suis passionné d'histoire et je trouve que malheureusement, euh, souvent, on, on passe à côté de la vulgarisation. Alors, il y, y a beaucoup de vulgarisation depuis quelques années, c'est pas mal parce qu'il euh, y, 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 y a beaucoup de, de gens qui ont pu euh, justement vulgariser l'histoire pour pouvoir euh, apporter une autre manière de, de, de la découvrir. Et, et en fait, moi, ce que je voulais, c'était vraiment faire euh, à travers la BD, à travers les anecdotes historiques, associer l'histoire mais aussi à l'humour, c'est-à-dire ne, ne, ne sortir du côté pompeux parfois de l'histoire et à travers un petit trait d'humour euh, raconter euh, cette histoire. Et, et ce qui est intéressant, c'est que finalement le fond est très sérieux. Moi, j'ai travaillé avec les médiateurs du château pour pour pouvoir bien caler les ces... médiateurs historiques. Voilà, de, ça voilà, dit. voilà, c'est ça, tout à fait. Et donc euh, pour pouvoir bien caler ces, ces fameuses anecdotes. Mais par contre, on m'a laissé carte blanche sur l'humour. Oui, voilà. et très important, les anecdotes en fait euh, que relate avec humour à travers. Panos et ce livre également euh, Ritchie, ce sont des anecdotes que lui-même est allé fouiner. C'est voilà. ça ah oui, Dégoté, voilà, puisque en, en grand amateur d'histoire, comme tu l'as dit. Voilà, de le fait. Dire. Donc je, je me suis penché sur la question, euh, suis sur tout, tout, tout seul. Et puis, j'ai noté 10 anecdotes précises. Et euh, j'ai commencé à faire une première bande dessinée et proposer les planches, en fait, euh, au département, mais aussi, bien sûr, euh, à la direction du château. Et là, j'ai pu être corrigé par un médiateur sur 2-3 petites choses, des, des, des dates, des choses comme ça. Et puis, j'ai fait ensuite, j'ai continué mon chemin et préparé donc, ces anecdotes avec l'idée de faire en 3 cases, simplement,

euh, raconter chaque anecdote en trois cases donc pourquoi en trois cases Parce qu'on est sur des panneaux dans le château euh, et ces panneaux ne doivent pas non plus être énormes donc on vient les associer aux totems existants dans le château on vient les greffer et, euh, et donc les gens qui font le parcours de visite vont trouver en trois cases, ce qu'on appelle en strip hein, en anglais hein, trois cases. la petite anecdote euh, exemple, vous arrivez avant la chambre du roi, donc au moment où vous arrivez donc, euh, à l'entrée de la chambre du roi à Sully il y a une petite anecdote sur Louis XIV qui est venu à l'âge de 13 ans donc, euh, au château avec Mazarin donc, voilà, et c'est fait de manière humoristique, mais avec un fond historique vraiment sérieux, puisque on est vraiment sur sur une base une base historique. Voilà. Bon, très bien. Et euh, sans déflorer tout pour vous donner juste envie d'aller à Sully, si vous n'êtes pas déjà allé visiter ce château magnifique. Tu nous donnes alors il y a Louis XIV. Ah, a Louis XIV. On, on va ou... croiser qui Alors Louis XIV. Euh, euh, au préalable, on croise aussi Jeanne d'Arc parce que Jeanne d'Arc est euh, Jeanne d'Arc est passée partout pratiquement, donc elle est passée, elle est passée à Sully aussi. Et puis euh, et puis également euh, Voltaire, euh, Voltaire qui a écrit d'ailleurs une pièce euh, au, au sein même du château. Et puis euh, et puis voilà un certain nombre de, de personnages. Alors ce qui est intéressant également, c'est que finalement euh, on va trouver sur le parcours de visite donc ces anecdotes et puis on va les retrouver à la fin donc euh, avec la bande dessinée. Euh, euh, plus étoffé, où là, je me, je, je me suis donné, comme je ne suis pas conditionné à, à trois cases, je suis allé un petit peu plus loin dans chaque anecdote et toujours avec cette même, euh, ce même humour. Là-dedans, voilà. là il voilà, y a 74 pages, c'est plus étoffé. Et à la fin, bah, euh, Richard, encore une fois, en bon historien amateur, mais pointu, euh, bah, s'est lancé dans un quiz historique aussi, qui lui aussi a été validé, par le médiateur euh, historien de Sully. C'est voilà, ça bah, Tout à fait. Alors, l'idée, c'était bah, d'apporter un petit plus, euh, de toujours faire sourire aussi les gens hein, euh, à travers l'histoire. Et, euh, et puis, surtout, donc, avec euh, cette BD, bah, finalement, les gens portent un souvenir en fait, de, de Sully. Donc, euh, donc voilà. Donc, J'ai créé tout un dispositif euh, avec une, ce qu'on appelle une PLV dans le jargon, euh, euh, donc distributrice de, 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 de BD. Et surtout, l'idée, ça a été. Alors, j'y tenais absolument euh, que ce soit un. un un document qui soit fabriqué, une PL, une, enfin une, une bande dessinée qui soit fabriquée en France. Donc tout est made in France. Tout ce que vous avez ici est made in France, y compris l'humour, bien sûr. Tout est, tout, tout est made in France. Voilà. Alors tiens, puisque tu nous parles de PLV, etc. Raconte-nous, parce que ça fait partie quand même de ton talent maintenant que tu, que tu mets à, à profit dans ce que tu nous proposes maintenant, c'est euh, ton parcours de communicant, de scénariste, de, de, de tout ça quand oui, même. Oui, alors euh, voilà, je, je m'appuie je bien sûr sur euh, mon expérience passée euh, où j'ai travaillé énormément dans, dans le milieu de la communication et du marketing. Donc j'ai gardé bien sûr des liens. Euh, quand je parle par exemple de, de PLV, ce qui est intéressant, c'est que finalement euh, j'avais gardé un, un, un fournisseur avec lequel j'ai pu précisément euh, le, le, le distributeur. Hein. Mais c'est pas vraiment de ça dont je parle. <laughs> je parle de ton efficacité ah. <laughs> dans l'humour, dans le raccourci, de ce que tu racontes. Ah bah, voilà, alors puisque c'est ça, ça qu'on t'a demandé dans ta vie voilà. aussi. Ah bah oui oui, parce qu'en tant que concepteur, rédacteur dans la publicité, voilà. voilà, donc dans la publicité forcément, il faut chercher les bons mots. Les mots, les mots choc, euh, il faut en, en une phrase, euh, oui. un clem comme on dit, euh, euh, pouvoir euh, apporter euh, une touche, un bénéfice, euh, on va met, mettre met en avant quelques, un bénéfice, un, un, une, une accroche. Euh, donc voilà, c'est vrai que ça me sert énormément. Je reconnais que c'est quelque chose qui me sert à surtout être efficace et à être synthétique. C'est ça. Synthétique, voilà, toujours. Voilà. L'idée, c'est ça. Ouais. Et puis alors, c'était terrible, parce que je ne sais pas comment on allait tout à l'heure commencer cette petite émission. Puisque moi je suis désolée, mais dès que je vois euh, la première page de ce truc, alors que je l'ai vu euh, maintenant une dizaine de fois, je découvre euh, le premier dessin et j'explose de rire. Parce qu'en fait, euh, dessus, c'est un type de maintenant euh, avec euh, une, euh, un smartphone au bout d'une perche qui demande à un personnage historique, un noble. Alors on ne sait pas qui c'est, c'est lequel celui-là. Ah, on le connaît bien comme c'est. Justement, c'est le duc de Sudie. Ah, bah, c'est monsieur le duc. C'est crâne rasé, euh, voilà, ah bah et, oui. et longue barbe. Oui. C'est le duc de Sully. Ah bah exactement. Voilà. Et alors, le type lui dit on, on sourit pour le selfie, monsieur le duc. Et le duc a, a un air absolument consterné parce qu'il doit en avoir ras bol de tout, <laughs> ces milliers de touristes. Voilà, alors moi, moi je voilà, j'aime bien, on le voit dans tous les personnages et on le voit dans la BD et dans, dans tout le parcours historique. Je, pour moi, en BD, euh, ce qui est important, c'est l'expression. Voilà. Ouais. Si on peut vraiment euh, euh, jouer sur l'expression, euh, vous savez, un, un, un œil plus petit, un œil plus grand, ça donne tout de suite une espèce d'air ahuri. Euh, <laughs> euh, moi, j'adore les expressions. Là, par exemple, on, je ne sais pas si on le voit, mais sur le, le Charles VII euh, était un roi euh, qui, qui avait une, vraiment une tête particulière. On le voit dans ses portraits et qui portait une espèce de couvre-chef euh, <laughs> étonnant. <rire> et, et, et voilà. Donc, c'était à je... la mode de l'époque. ce n'était pas original de ça. Part, hein. Mais du coup, je, je joue avec et j'en fais un, un personnage un peu lunaire. Voilà, C'est ça qui me plaît également. Voilà. Et puis donc, ça fait longtemps, euh, je te le disais tout à l'heure, que euh, je, je trouve que tu, ton art me fait penser à celui de Gottlieb, ouais, qui là, était absolument extraordinaire. <laughs> ça... Oui, bah, la... c'est vrai. Euh... Non mais c'est très 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 gentil, mais c'est quand même un grand monsieur. <laughs> euh, moi pour moi c'est une référence. Hein. Enfin, j'ai trois références j'ai Gottlieb, Franklin, Frankin, pardon et, euh... et également Riser. Riser parce que j'aime bien l'acidité de, 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 de... à la fois de son trait mais également de, de, de ses mots. Euh, Franquin parce que Franquin moi j'ai beaucoup aimé idée noire de Franquin ah, oui. Ça a été vraiment euh, une révélation pour moi. Et puis Gottlieb parce que Gottlieb c'est lui qui m'a poussé à, à dessiner en fait. Hein, J'étais je... un fan de Rubrique à Braque je le suis toujours bien sûr. <laughs> et, et je trouve que les expressions sont extraordinaires. J'ai eu des fous rires avec des, des bandes dessinées de, de Gottlieb. Et vraiment, voilà, pour moi, c'est un maître. Voilà. Alors, on a les mêmes fous rires avec euh, les bandes dessinées de Ritchie. Euh, Redonne-nous un petit peu ton, ton parcours de dessinateur. On t'a découvert particulièrement pendant oui, le euh, Covid, voilà. ici, dans le coin. Voilà, j'avais sorti, euh, effectivement, une, une BD qui s'intitulait « Démasqué euh, », où, finalement, tout le monde en prenait pour son grade, hein, euh, par rapport au masque, par rapport au Covid. Euh, donc, voilà, traité de manière complètement euh, euh, décalée. Et puis, ensuite, j'ai fait également une BD alors, avec des dessins d'actu, euh, des dates oui. et des doutes, avec tous les dessins d'actu de, de l'année 2021. J'ai fait également 2022. Et puis, ensuite, j'ai sorti... Euh, une BD plus, plus personnelle, mais qui me tenait à cœur, qui s'appelle Reviens, gamin. C'est et... beau, c'est toi. Voilà, c'est mon histoire, en fait, en bande dessinée. Voilà, mais mais... Il avait des cheveux à l'époque. Voilà, oui, oui, oui. <laughs> Belle tignasse. <laughs> Belle tignasse. <laughs> bon, bah, c'est bien. La prochaine fois qu'on invitera Richard, eh bien, ce sera pour ses talents d'écrivain, puisqu'il y a un, un roman entre science-fiction et, et grande histoire. L'histoire, vraiment, qui vient de sortir, qui s'appelle euh, Écho originel. Voilà. Et là, tu signes de ton nom complet Alors, c'est Richard Raza, en fait. Ah, le... c'est pas tout à fait ton nom complet. Fait, mais mais c'est plus... pas Ricci, là, c'est voilà, Richard Raza. Richard Raza, voilà, et c'est aux éditions du Lac au Et voilà, c'est un roman qui est sorti le 13 mars euh, en librairie. Et c'est voilà, autre chose, mais ça me tenait vraiment à cœur depuis des années. J'ai mis six ans pour l'écrire, quand même. Donc, euh. Voilà, et comme euh, <laughs> ces anecdotes historiques, eh bien, le roman. Euh, démarre très très fort. Donc, monsieur Weber, je suis désolée, d'ici peu, vous retournerez derrière la caméra. À bientôt. Merci. Je vais faire un fou rire, hein. <rire>, rire. Après, on je démarre, par contre, je ne peux plus m'arrêter après. C'est en fait qui termine. Dire à peu près les...